monde, c'est Michou, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Et oui les gars, parce que ça fait déjà pas mal de temps que je joue à ce jeu là, je suis rang 203. Donc comment vous dire que c'est quand même pas mal. Et du coup je voulais vraiment vous faire une vidéo sur Dokkan Battle pour voir si vous allez aimer ça. Donc je suis vraiment pressée d'avoir vos retours. Et en gros les gars, pourquoi on fait une vidéo sur Dokkan Battle particulièrement aujourd'hui? Parce que voilà, pour les événements des 2 ans de Dokkan Battle, il y a les Super Saiyan 4 qui sont sortis. Et comment vous dire que ces personnages là, il nous les faut. Mais avant d'invoquer les gars, comme c'est ma première vidéo sur Dokkan Battle, je voulais quand même vous montrer mes personnages. Donc voilà leur liste perso. Déjà j'ai C17 et C18 Dokkan une fois, mais si je veux, je peux déjà les passer en LR. Mais pour l'instant je veux pas, j'attends d'éveiller leur potentiel au maximum d'abord. Donc après mes persos grave balèze dont je suis fier, c'est ce Goku Super Saiyan God en mode Kaioken. Voilà comment vous dire qu'il tape. Ensuite j'imagine Vegeta Tech, hein, c'est pas celui qui se LR, mais il fait déjà une attaque carnage, donc il est assez puissant. Après j'ai le Super Vegeto Blue aussi qui est balèze. Du coup voilà, si vous voulez voir tous mes personnages grave balèze, je vous laisse regarder. Je vais pas tous vous les présenter parce que sinon ça serait vraiment trop long. Mais en gros les gars, là en tout premier on va invoquer sur le portail SSJ4 Goku. Donc on regarde tout de suite dans le détecteur, hein. Pour mes abonnés qui jouent pas à Dokkan, en gros le détecteur c'est les persos qu'on peut avoir avec plus de chances. C'est à dire que si tu invoques sur un autre portail, tu peux avoir des chances par exemple de drop lui alors qu'il est pas dans le détecteur, mais du coup t'as beaucoup moins de chances, alors que quand il est dans le détecteur ça augmente tes chances. Du coup voilà, il y a le SSJ4 Goku. Bien sûr c'est celui qu'on veut principalement dropper, après ça risque d'être compliqué. Après il y a Goku Black, franchement moi je dis pas non, je le veux vraiment, Goku Black il est grave balèze. Super Vegeto c'est pareil avec ses contre-attaques et tout, tu connais, il est super fort, on le veut aussi. Super Gogeta, alors lui je le veux parce qu'il irait carrément bien dans ma team, donc je le veux vraiment celui-là. Bon après Trunks Super Saiyan GT, pourquoi pas, pour GT c'est nécessaire aussi, ça se refuse pas. Et Sangoku Super Saiyan 3 GT, je le veux aussi parce qu'il est fort. Bien sûr les gars, on les aura sûrement pas tous parce que sinon faut vraiment avoir de la grosse chance. Mais c'est parti les gars, on lance la première multi-invocation. Oh là là, je stresse parce que j'avais trop envie d'invoquer mais en même temps pas envie. Si j'ai que de la merde, je vais le regretter quoi. Allez, c'est parti. Déjà, 1, 2, 3. 3 capsules. Bon, 3 capsules, ça veut rien dire. En gros, les gars qui connaissent pas trop le jeu, quand tu lances une invocation, là, t'as une petite animation au début. Et l'animation, en gros, elle t'aide à peu près à te repérer si tu as de la chance ou pas de la chance. Et 3 capsules, pour l'instant, c'est bof, hein. Allez, on lance le Kamehameha. Ok, Super Saiyan. Super Saiyan, je préfère parce que sinon, si ce serait pas transformé. Ok, SSJ2, SSJ3, s'il te plaît. Ok, pas de SSJ3. SSJ3, c'est SSR garanti. SSJ2, bon, en gros, c'est une invocation classique, quoi. On espère quand même avoir une SSR, j'espère. Hein. Sangoku SR, ouais, je m'en fous complètement. Une R, alors. Alors, les gars, les R, on s'en fout complètement. Les SR, il y en a certains, il y en a certaines qui sont fortes. Et les SSR, c'est les cartes qu'on veut. Ginyu qui nous montre son cul, non, ça m'intéresse pas. Trunks petit, non plus. Allez, les gars, on veut du SSR, là. Tenshinhan, oh là là, ça sent mauvais. Tenshinhan, ça sent mauvais. Encore Tenshinhan, non mais arrête. Oh là les gars, j'ai peur, je veux une SSR. Mais putain Tenshinhan, mais arrête. Ça fait 3 fois d'affilée les gars. Tenshinhan, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir... Encore Trunks. Les gars, j'ai dû avoir 7 cartes, c'est tous les mêmes quoi. Oh mais non, mais allez, une SSR s'il vous plaît. Mais pas une multi qui sert à rien. Mais non. Oh là là, oh putain les gars, j'ai mal. J'ai mal à mes pierres de dragon. Ok, on a eu 3 tickets d'invocation. Bon, c'est en dessous de la moyenne, t'en as entre 1 et 10. Et les tickets d'invocation vont nous servir pour après, on va pouvoir encore invoquer. Les gars, là ça commence très très mal, mais j'espère qu'on va au moins avoir du SSR là. Après vous savez, c'est peut-être la multi où t'as de la malchance, mais comme ça après t'as de la chance et boum, tu tapes dans le SSJ4. J'essaye juste de me dire ça pour me rassurer, hein. Bon allez, on repart en multi-invocation là les gars. Ne me trollez pas s'il vous plaît. Oh, Shenron. Les gars, Shenron c'est SSR garanti. Ça fait trop plaisir. Ok. Est-ce qu'on a un bye bye? Non, il se transforme. En gros, si on veut avoir un bye bye, les gars, c'est un truc ultra cheaté. Faudrait qu'il se transforme pas. Ok, SSJ3. Oh là là, les gars. Les gars, là, ça va être de la multi-invocation de bâtard. Ouais, bon, ça, c'est nécessaire. On s'en fout. Les gars, Shenron, c'est SSR garanti. En plus, SSJ3. Zarbon, non, je m'en. Oh! Oh, oh les gars, Goten Super Saiyan, là je suis méga content parce qu'il vient d'avoir son mode Dokkan. En gros c'est un mode qui le rend encore plus fort, donc et comment vous dire qu'il était déjà fort, alors avec son mode Dokkan il va être parfait. Oh les gars, là je suis content, là c'est de la bonne SSR. Bon c'est pas le SSJ4 mais franchement ça fait plaisir. Ok, on continue, peut-être qu'on va en avoir une, hein, une SSR cachée. On sait pas, de SSR ça se peut. Bon là pour l'instant là c'est très mauvais. Bougoten ça m'intéresse.
parce que j'en ai un, mais il faut que je le monte à Taxpedis et il est très fort pour une SSR. Allez là, une petite SSR pour me faire plaisir, SSJ4 caché. Non, oh là là, c'est l'IPA, non, je m'en fous. Encore 3 tickets, mais c'est quoi ce bordel? On a toujours 3 tickets ou quoi? Ok, bon, alors franchement, on va pas se plaindre, c'était une bonne multi-invocation. Mais c'est toujours pas le SSJ4 et je vois mes pierres de dragon qui commencent à tomber là. Oh, regardez comment il nous regarde là, il nous prend de haut. Non, mais hey, tu vas voir, je vais te choper, je vais te mettre dans ma team et tu vas tous les défoncer. C'était quoi cette menace pourrie? Tiens, par contre, les gars, regardez, erreur de connexion avec les deux angles, les serveurs sont carrément en train d'exploser là. Ok, ça y est, la multi-invocation se lance. Allez, ça déconne plus. 3 capsules, 4, 5 capsules. 5 capsules, c'est pas mal. On peut avoir du lourd. Oh, ok. Ok, il se met direct en SSJ1 alors que j'ai un peu encore lancé Kamehameha. Arc-en-ciel, c'est pareil, ça veut dire quelque chose de bien, arc-en-ciel. Ok, SSJ2, SSJ3, s'il te plaît. Ok, pas de SSJ3, vraiment c'est dommage. J'espère qu'on va avoir des trucs bien. Normalement, on va avoir des trucs pas mal. Bon, ok, 2R déjà, là ça commence très mal. Allez, Piccolo SR, non, je m'en fous complètement. Bon, lui, on n'en parle même pas avec sa tête de cul. Hein. Oh, mais non, mais allez, Shaozu, mais arrêtez de me donner des R là. SR, non, mais allez, ça sent mal là. Moi, je veux une SSR là. Oh, oh! Ok les gars, lui il est pas mal. Lui ça fait plaisir, franchement je suis content, il est vraiment bien. Ok c'est bien, là je suis content. Imagine on tape une deuxième SSR, ça me ferait trop plaisir. Mais pour l'instant ça sent pas très bien. Ok bon, une SSR c'est une très bonne SSR, franchement ça fait plaisir. Que 2 tickets, putain par contre j'ai pas de chance sur les tickets. On a entre 1 et 10 tickets. Et puis tout à l'heure j'en ai 2, 3. Ok là on a notre multi-invocation gratuite, c'est parti. Multi-invocation gratuite les gars, ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment des promos de malade. Oh putain par contre une seule capsule c'est mauvais ça. Ok arc-en-ciel, bon ok arc-en-ciel c'est bien, par contre d'une seule capsule c'est nul. SSJ2, SSJ3 s'il te plaît. Oh mais non, pas de SSJ3. Alors là franchement je sais pas trop, parce que une seule capsule mais arc-en-ciel, je sais pas ce que ça veut dire quoi. Ok du SR pour l'instant on s'en fout, c'est 18R on s'en fout aussi. Bido t'es bidon. Ok non c'était de la merde. C'est 19, non allez là. Oh non Tenshinhan, quand on a Tenshinhan ça sent mauvais. Ah là là mais donnez moi de la SR s'il vous plaît, pas la multi qui sert à rien. Je sais que c'est une multi gratuite, du SSR s'il vous plaît. Oh mais non, c'est quoi cette multi les gars? Non c'était la dernière. Les gars sur 4 multi invocations on a eu 2 multi sans SSR. C'est pourri les gars, c'est pourri clairement. Bon ok on va pas encore invoquer sur le portail de SSJ4 Vegeta. On va continuer à forcer pour le SSJ4 Goku, mais il me le faut vraiment, je le veux vraiment, il est tellement fort. Allez là, on veut du SSJ4 Goku, on y croit. Ok, 3 capsules, c'est... Non, 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 là c'est très mauvais là, 3 capsules, pas de arc-en-ciel. Bon, faut un SSJ3 s'il vous plaît. SSJ3, vas-y. Oui, SSJ3, oh putain. Yes, SSJ3, là ça va être du lourd. Le SSJ3 qui annonce le SSJ4, moi je vous le dis. ok, Trunks Super Saiyan SR, ouais, pourquoi pas, vas-y. Oh non, Tenshinhan. Non, pas Tenshinhan, non, putain, encore Ginyu qui nous montre son boule. Shaozu, oh, mais c'est quoi toutes ces R, les gars? Arrêtez de me donner des R. Mais j'ai eu un SSJ3, là, je veux une SSR, non? Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça serait le SSJ3 qui sert à rien? Mais allez, une SSR, s'il vous plaît. Oh, Goku Black, les gars! Putain, ça a même pas clignoté. Goku Black, les gars, alors là, je suis trop content. Je suis trop content, Goku Black, il est vraiment super fort. Peut-être une deuxième S... Ah, non, c'est la dernière carte, ok. Bon, bah, alors, cette multi-invocation, franchement, elle fait méga plaisir. Mais il nous manque toujours le SSJ4. Il est où le SSJ4? Viens nous voir, on te veut nous. À 4, 4 tickets, c'est déjà mieux que 2 et 3. Ok, bon, on va lancer la dernière multi-invocation sur le portail de Goku. Après, on va invoquer sur le portail de Vegeta. Donc là, Goku, c'est ta dernière chance de venir nous voir. T'inquiète pas, avec moi, t'auras la belle vie. Je vais te chouchouter, je vais te donner des médailles d'éveil. Je vais te faire manger des SSR, si tu veux. Je te ferai manger des SSR pour t'entraîner. Oh, le Shenron! Oh putain, le Shenron! Ah là, là je suis content. Le Shenron qui... Oh putain, arc-en-ciel de transformation directe. Zéro espoir. Là, là, tout l'espoir remonte. Ok, SSJ2, SSJ3 peut-être. Non, pas SSJ3, c'est pas grave, on a eu Shenron. SSR garanti. Le SSJ4, viens s'il te plaît. Là, le Shenron, donne-moi du SSJ4. Oh mais non, oh mais non, pas lui. Mais non, mais lui, je m'en fous complètement. En vrai, je connais pas trop le personnage. Je sais pas trop s'il est fort, si ça se trouve, il est super fort. Mais je voulais le SSJ4. Et c'est la dernière multi-invocation, là. Thomas, R, allez, il me faut une deuxième SSR. Une deuxième SSR, là, c'est notre dernière chance, s'il vous plaît. Oh,
Oh non, oh putain, lui, je l'ai déjà. Je l'ai déjà en mode Dokkan. Bah, il va servir. Il va servir pour ouvrir une branche de potentiel. Donc, ça reste bien. Ça reste une SSR très bien et tout. Mais non, là, allez, s'il vous plaît. Le SSJ4. Non, je vais pleurer. Oh non, c'est la dernière. Non, allez, SSJ4. SSJ4, mais non. C'est la dernière, c'est ça. Oh putain, je suis dégoûté. On n'a pas le SSJ4 Goku, les gars. Ah, je suis déçu. Ah, clairement, là, je suis complètement dégoûté. Bon, ok, finalement, on va relancer une multi-invocation sur le portail de Goku. Comme ça, on a encore deux multi-invocations à faire sur le portail de Goku, puisqu'on va avoir la multi-invocation gratuite. Là, s'il te plaît, viens nous voir, bordel, j'en ai marre. J'en ai marre, c'est 300. Oh, Satan à gauche. Monsieur Satan à gauche, c'est en général, c'est bien. Ok, arc-en-ciel. Ok, normalement, on a un bye-bye, les gars. Là, il s'est pas transformé. Quand il se transforme pas en Super Saiyan, on peut avoir un bye-bye. Le bye-bye, les gars. Les gars, quand on a ça, quand on a ça, c'est très très bon. Oh putain. Oh putain, la meilleure animation de ma vie, là. Allez, le bye-bye, les gars, s'il vous plaît. Il faut pas qu'il serve à rien. Il faut pas qu'il soit là pour une SSR inutile. Botamo, allez, je m'en fous. Beerus, ouais, je t'aime bien, Beerus, mais en SSR, t'es mieux. Tao, bye-bye, non, je m'en fous. Allez, là, s'il vous plaît, du SSJ4. Ah non, putain, non, pas un gorille, mais je m'en fous, lui, je m'en fous. Thomas Gorille, franchement, il sert à rien. Il y a des gorilles qui sont vraiment très forts, mais lui, je m'en fous, quoi. Oh, putain, je suis dégoûté. Dites-moi pas que c'est un bye-bye, les gars, pour ça. Oh, mais non, mais lui, je l'ai déjà, mais c'est quoi cette multi-invocation avec tous les gorilles? Mais en plus, lui, c'est bien, mais je l'ai déjà. Mais non, c'était la dernière SSR. Oh, 5 tickets, je suis content. Bon, ok, la multi-invocation gratuite. Là, les gars, il nous reste plus que 3 multi-invocations. Une sur le portail de Goku, 2 sur celui de Vegeta. Allez, oh non, Satan à droite. Satan à droite, c'est mauvais, Satan à droite. Oh là là, je sens la multi pourrie. Satan à droite, ok, SSJ2, SSJ3 peut-être. Ah là là, Satan à droite et juste SSJ2, c'est très mauvais. Non, là je sens la multi qui sert à rien. Oh putain, Nail, je m'en fous, C18, je m'en fous. Non, allez, s'il vous plaît, c'est ma dernière chance d'avoir Goku SSJ4. Oh, Super Gogeta, oh putain les gars, mais what, Super Gogeta, c'est... Pour l'instant, c'est la meilleure qu'on a eue, en plus sur un Satan à droite. Oh les gars, là, je suis trop content. Oh putain, Super Gogeta, je suis trop content, les gars. Franchement, ça fait trop plaisir. Oh putain, les gars, ça, c'est grâce au Nail. C'est grâce au Nail, tout ça. Ok, là je m'en fous. Clairement, ils peuvent me donner de la merde. Bon, par contre, si j'ai du SSJ4, hein, ça fait trop plaisir. Oh, mais encore une SSR, mais what? Mais est-ce que le Satan à droite serait pas complètement marabouté? Bon, ok, pan GT SSR, c'est pas la SSR la plus utile, mais franchement, c'est chanceux. Putain, les gars, cette multi-invocation, même s'il n'y a pas le SSJ4, elle m'a redonné espoir. Surtout grâce au Super Gogeta, les gars, je le voulais tellement. Je le voulais tellement, et là, on le drop. Oh putain, je suis trop content. Bon, par contre, les gars, on a plus que 2 multi-invocations à faire sur ce portail là. Comment vous dire que je commence à me demander si on va dropper du SSJ4, hein. Je commence à avoir peur là. Déjà, on peut se dire que c'est mort pour le SSJ4 Goku. Déjà, ça donne envie de pleurer, quoi. Ok, bon, dans ce portail, bien sûr, il y a le SSJ4 Vegeta. On le veut carrément, hein, il est ultra cheaté. Le Vegeto Super Saiyan Divin, je l'ai déjà, mais franchement, on dirait pas non, un petit doublon. Goku Black Super Saiyan Rosé. Alors lui, si je l'ai, les gars, je pète un câble. Parce que franchement, il est très très cheaté. Golden Freezer Tech, je l'ai déjà, mais on dirait pas non, un doublon, il est très fort. Lui, on s'en fout un peu. Et lui, c'est pareil, il est très très fort, donc... je le veux. Allez, mais bien sûr, franchement, je m'en fous. Vous pouvez me donner 0 SSR sur cette multi, une seule sur la prochaine, s'il y a le SSJ. 4, j'oublie tout. Oh putain, le Shenron. Ok, on a déjà une SSR garantie. Le Shenron, allez, un bye bye, les gars. Oh non, pas de bye bye, il se transforme, dommage. Mais les gars, le Shenron là, on veut du lourd. Ok, SSJ2, bon, de toute façon, on s'en fout, on a le Shenron. Allez, le SSJ4 là, viens nous voir, Vegeta. Jaco, Guldo, on s'en fout complètement. Buta, ok, DR là clairement, on s'en fout. Une SR, allez, la SSR là. Oh putain, je stresse vraiment. Je sais qu'on va avoir une SSR. Mais j'espère que c'est la bonne, quoi. Ok, je m'en fous. Clairement, là, je m'en fous de ce qui se passe. Oh! Non. Oh non. Oh non, lui, avec sa position, je crois toujours que c'est un genre Goku Black ou un Vegeto Super Saiyan. Je crois toujours que c'est un gars méga cheaté. En fait, pas du tout. Ok, oh non, pas le Golden Freezer. Mais non. Enfin, je suis content parce que je vais pouvoir améliorer mon Golden Freezer. Mais non, non, pas le... Oh non. C'était la SSR, c'est ça. Oh! Son Gohan ultime. Bon, ok, c'est en endurance. C'est pas là qu'il est le plus fort. Mais franchement,
Encore un SSR, on tape encore dans le SSR. Sangwan ultime, il est très fort. Bon, ok, ça va. Franchement, 2 SSR. Ok, 5 tickets en plus. Franchement, là c'est de la bonne invocation. Bon, ok. Allez, encore le Shenron. Mais what? Mais les gars, je suis hanté par Shenron. Mais franchement, ça me fait plaisir. Shenron, tu peux me hanter toute ma vie. Y'a aucun souci. Allez, là. SSJ3. Ok, bon, pas grave. Allez, s'il vous plaît, là. Encore un SSR. Je veux. Oh, le Super Baby. Le Super Baby 2, franchement, ça fait trop plaisir, je dis pas non les gars. Eh, si on commence avec une SSR, il y a moyen d'en dropper une deuxième. Hein. Une petite SSR de dalle. Oh! Oh mais what? Mais what les gars, 2 SSR. Ok, c'est très bien, mais y a pas le SSJ. Y a pas le SSJ4. Les gars, ce que je voulais par-dessus tout dans cette vidéo, c'était le SSJ4. Voilà, j'ai plus trop espoir, on a déjà eu 2 SSR. Ça m'est jamais arrivé d'avoir 3 SSR dans une multi-invo. Donc, j'y crois pas trop. On sait jamais. S'il vous plaît, un petit SSJ4 de derrière les fagots. Je crois que c'est la dernière. Allez, s'il vous plaît. Non! Non! On peut pas s'arrêter sur ça! Non! Non, allez! Allez, s'il vous plaît, une SSR. Oh non, oh non, c'était la dernière carte. Les gars, je suis dégoûté parce que clairement, cette vidéo d'invocation a été efficace. Hein. On a eu vraiment beaucoup de SSR, de la bonne SSR aussi. On a eu Goku Black, Super Gogeta, mais on n'a pas eu de SSJ4. On va pas se plaindre parce qu'on a eu de la très très bonne SSR. Bon ok, les gars, cette invocation, comment vous dire qu'on peut avoir une des meilleures cartes du jeu? C'est-à-dire que lui, là, celui que vous voyez là, en gros, c'est le Sangwan qui se doka en Sangwan SSJ2. Vous savez quand il est contre celle qui s'énerve et qui passe en Super Saiyan 2, la scène la plus badass qu'on a tous vu au moins une fois dans notre vie, et bah on peut l'avoir. Donc on a deux chances de l'avoir. Bon, c'est vraiment pas beaucoup parce que c'est une carte vraiment très cheatée. Donc ils vont pas nous la donner comme ça bien sûr, mais peut-être qu'ils vont dire bon allez, il a pas eu de SSJ4 pour rattraper le coup. On va lui donner le Sangwan LR. Parce que les gars, lui il peut se LR. Et en gros, LR c'est la légendaire quoi. Sur Dokkan Battle, une LR c'est encore plus rare qu'une légendaire sur Clash Royale. Comment vous dire que lui, si on l'a, c'est très très bien. Clairement l'objectif c'est lui. Et après on va pas se fixer d'objectif. Parce que si on dit l'objectif c'est lui, bah bien sûr on l'aura pas. Après toutes les autres SSR qu'on peut avoir, elles sont franchement très fortes. Mais c'est pas celle qu'on veut. Et franchement la statue là, je m'en fous complètement. C'est pour avoir des ennemis. Les ennemis c'est l'argent quoi. Et bah je m'en fous de l'argent. Là clairement j'ai déjà 19 millions. Donc je suis déjà très très riche. Donc j'en ai pas besoin. Celui qu'on veut vraiment c'est le Sangwan qui se docane en LR. C'est parti les gars, on a une SSR garantie. On sait que ça va être une SSR parmi celles que je viens de vous montrer. Mais on veut que ce soit le Sangwan. Non je pense pas. Ok, le Shenron, bon. Non, je vais pas m'enjailler parce que le Shenron, c'est logique, c'est SSR garanti, donc c'est normal qu'on ait un Shenron. Donc on va pas s'enjailler. Mais moi je veux du Sangwan LR. Ok, c'est qui? Ok, bon, c'est une waifu quoi. C'est Mai, mais je m'en fous de toi. Tu peux partir, je m'en fous. Ce que je veux, c'est le Sangwan, bordel de merde. Ok, une médaille de la bataille royale. Je crois que ça sert à Dokkan le Sangwan, justement. Pourquoi pas avoir des médailles de la bataille royale? Mais de toute façon, j'en aurais pas assez. Bon, ok, vous attendez pas à que je m'enjaille sur l'invocation. Là normalement on va avoir un bye bye les gars. Pourquoi? Parce que c'est SSR garanti. Donc voilà le bye bye les gars, je m'en doutais. Allez s'il vous plaît, le Sangwan. Oh mais non, putain mais non, c'est pas possible. C'est la pire qu'on pouvait avoir celle-là. Oh je suis dégoûté. Oh non mais pas celle-là. Bon bah voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement je m'en répète hein, mais je suis vraiment pressée d'avoir vos retours. Pour savoir si vous aimez bien les vidéos Dokkan Battle ou si vous aimez pas du tout. Mais bref, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Bref, faites tout ce que vous voulez. Et sur ce, ciao. Les belles comme la papaya. No digáis nada, no os entendería.